Philippe Martineau, Lorelai. Qui pose, à demi-nu allongé sur la grève, et comme revenu du naufrage d'un rêve. Sa chevelure rousse, la masque comme au bal. Oh, que cela me pousse à l'imaginer pâle, sans doute que sa peau naquit d'une caresse, et qu'un avant-propos fidèle une déesse. J'ignore à quelle envie son silence renvoie. Sera-t-elle ravie de connaître ma voix? Ô toi que nul n'effleure, s'il est besoin d'un crime pour t'enivrer le cœur, j'en veux être victime. Si ta nuque y consent, puis-je la mordiller? Ou faut-il qu'aucun sang n'en sorte scintiller? Et si ton sein frissonne, puis-je l'aimer de près? Ou faut-il que personne n'en tête le secret? N'ayant pas d'autre vœu que de la réveiller, j'écarte ses cheveux jusqu'à déshabiller son pudique portrait. Sa bouche à peine éclose et ses yeux déjà prêts à s'ouvrir. Et qui l'ose? Ce qui s'ouvre radieux et enfin me regarde, ce ne sont plus ses yeux, mais ceux de la Camarde, qui pose à demi-nu allongé sur la grève, et comme revenu du naufrage d'un rêve. En croire le fleuve, elle jouit de sang-froid, et si ses yeux émeuvent, c'est que j'en suis la proie.